façon. Ok, donc voilà, donc hop, petite vidéo. Donc là, on va tester. Donc, c'est quoi le mieux entre l'épée métée et la space blade? Normalement, enfin, évidemment, c'est la space blade, mais on va voir aussi en combien de coups on pète un casque d'un P.K. Tita. Donc, c'est intéressant quand même de savoir en combien de coups. Donc, je le rappelle, l'épée en Tita, elle, donc l'épée en Tita, c'est 402 coups qu'il faut pour casser un casque en moyenne. Donc voilà, donc Utopie, est-ce que tu es prêt? Attends, je me re-repère une dernière fois. T'as 99%. Vas-y. Hop, donc du... je peux pas te mettre ennemi, faut que tu me mettes ennemi moi. C'est bon? Donc voilà, Vas-y, donc on ouais. va commencer par la Space Blade et puis Par voilà. contre, je te laisse compter, hein. Ouais, t'inquiète. Ouf. Attends, déjà je prépare un bloc-notes, hop, c'est après c'est voilà. 1, 2, 100. T'as 75% à peu près. 74. Est-ce que t'es à 50%? 51. Putain, on est à la moitié des coups là. On est au 400, t'as combien là? Et 336 de Jura. 336, 36 pardon. 36 là? Et 36 de Jura casque. Et donc là je suis à 402. Et 31. Ouais donc c'est du à coup peu près les ça. petites c'est moins vu. Ok les gars, donc là on est juste après la vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, donc la Space Blade, donc pour faire break un casque en Tita, il faut 407 coups là, mais enfin bon voilà, en gros on arrondit à 400. Donc comme pour l'épée Tita et donc comme pour l'épée en métée, je pense on l'a pas testé, mais l'épée en métée il y a, enfin en gros ça va pas faire break plus vite quoi, donc il y a aucun moyen sur ce PVP de faire break plus vite. Donc les haches, tout ça, tout est au même level, donc enfin non, les haches c'est encore pire même. Donc pour en gros pour les épées il faut 400 coups pour faire break quelqu'un, et pour les H rajouter 30%, donc à peu près genre 100-150 coups, donc voilà c'est vraiment de la merde, donc arrêtez de PVP avec ça. Et sinon la SPP est le seul truc, enfin mieux voilà, c'est les dégâts et les PMT pareil, il y a rien qui fait break plus vite, donc c'est 402 coups. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu,
N'hésitez pas donc à mettre un like, à vous abonner, activer la cloche surtout parce que je suis en live sur SkipPVP au moins une fois par semaine, ça c'est sûr et certain. Après je fais d'autres lives etc. et d'autres vidéos. Donc voilà, allez, à plus dans le bus.